important, en tout cas pour moi, c'est quelqu'un qui soit à l'écoute. Pas quelqu'un de aigri, quelqu'un de heureux, heureux tout le temps. Heureux. Peut-être pour ça que je suis célibataire aussi, je ne sais pas. 我已经不止一次被问到，作为优雅代名词的法国女生，她们会喜欢什么样的男生呢？她们的择偶标准会不会也跟我们经常听到的要长得帅、要有房、要有车差不多呢？那今天就跟我一起去街头采访一下吧。 Selon vous, quels sont les trois critères principaux pour choisir l'homme de sa vie? Ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est quelqu'un qui soit à l'écoute, quelqu'un qui soit aussi ambitieux, voilà, qui a envie de faire des choses, qui aime surprendre, voilà. Déjà, ces deux-là, c'est déjà bien. L'honnêteté, parce que j'ai besoin que la personne soit, qu'elle ne mente pas, qu'elle me dise les choses comme elles sont. D'accord. Même si c'est pas agréable, voilà, moi ça fait partie d'un premier critère qui est lié à l'authenticité, c'est-à-dire ne pas être faux, être vrai, montrer sa vraie personnalité. D'accord. Ne pas faire des choses juste pour plaire à l'autre, on va dire, ou ne pas être juste dans la séduction, montrer juste les deux côtés qu'on a de soi. Et le troisième critère, je dirais la passion. Quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait dans la vie, quelqu'un qui soit passionné par un sujet quelconque, ça m'attire beaucoup en fait chez quelqu'un. L'humour, le charme et la confiance. L'humour, la gentillesse et la compatibilité. Pour moi, le premier critère, c'est vraiment que la personne soit prête à tout faire pour que le couple fonctionne. Quelqu'un qui n'abandonne pas la première difficulté. Puis après, des critères de personnalité, une vraie gentillesse profonde pour compter pour ceux dont on est très proche. Puis l'humour, parce que c'est très important d'avoir de la joie dans son quotidien. Son ouverture d'esprit, peut-être son ambition aussi, et sa curiosité. La gentillesse, la curiosité, l'intelligence. D'accord. L'humour, pardon. L'humour. Déjà intelligent, drôle. Absolument besoin que ça soit drôle et forcément il y a le physique qui compte, donc beau. D'accord. Pour avoir la même vision de l'avenir, il faut toujours être sur la même longueur d'onde et être avec quelqu'un de plutôt communicant. Je pense que c'est ça le plus important. Peut-être pour ça que je suis célibataire aussi, je ne sais pas. Honnête, c'est le plus important pour moi. Respectueux. D'accord. Pas que envers moi, envers tout le monde. Et drôle. J'ai du mal avec les ongles noirs, avec les odeurs et machin. Aventurier, qu'il soit ambitieux et pour qu'il soit heureux, pas quelqu'un de aigri, quelqu'un d'heureux, heureux tout le temps, heureux sans moi, heureux avec moi. La gentillesse. Ouais. La générosité et la personnalité. Qu'on ait les mêmes principes, les mêmes valeurs, qu'il y ait une attirance physique aussi, et que la personne soit drôle, agréable. D'accord. Un peu piquante aussi, hein, parce que c'est mieux quand il y a du caractère aussi. Faut qu'il soit drôle, fidèle, attentionné. L'humour, l'ouverture d'esprit et la gentillesse. L'humour, ouais. En premier. Le goût des voyages, en deuxième. Soit cuisinier, en troisième. Il doit plus ou moins faire le même travail que moi, ou être dans le même domaine que moi, professionnel, pour avoir des sujets de discussion. Deuxièmement, il doit être affectueux, faire beaucoup de câlins. D'accord. Et troisièmement, je pense qu'il doit être persévérant et assez courageux pour moi m'inspirer et me donner envie aussi. Je le tirais vers le haut et aller plus loin ensemble comme ça. 看了这么多法国小姐姐的择偶标准，不知道你们觉得怎么样呢？在弹幕或者评论里留言告诉我吧。那我们就下期再见喽，Salut。留学的真相，出国必看。